Le conseil régional du Tchologo veut se donner les moyens pour impulser le développement de la région. Pour y parvenir, un plan stratégique de développement comme une boussole s'avère nécessaire. Les conseils régionaux ont planché sur ce point avec l'adoption des termes de référence pour son élaboration. Plusieurs secteurs ont été identifiés et pris en compte pour améliorer le cadre de vie des populations. Pour la période 2014-2015-2016, il s'agit de l'électrification, de l'eau, des routes, de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. L'objectif que je vise avec mon bureau, c'est que l'accès au niveau de la région soit correct, avec les points critiques qu'on appelle les ponts, les traités. La deuxième chose, que l'ensemble des villages soient éclairés. Et la troisième chose, c'est qu'au niveau de l'eau, qu'on puisse alimenter tous les gros villages en château d'eau et en forage. Les problèmes de santé et d'éducation, ça, on les règle régulièrement. Le budget primitif de l'exercice 2014 de la région du Tchologo s'équilibre en recettes et en dépenses à plus d'un milliard de francs CFA, dont plus de 700 millions à l'investissement. Les travaux du conseil ont été ponctués par une remise de dons d'équipements scolaires, sanitaires et sportifs, ainsi que des dons en carburant aux forces de sécurité de la ville de Ferke. Coût global, plus de 57 millions de francs CFA.